Plutôt la forteresse d'Andros, là, ça serait déjà ça de moins. Donc on est reparti, salut à tous à YouTube. On reprend la campagne avec Penthesilée. On va continuer notre road trip avec les Amazones, full cavalerie quasiment. Bon, là, il faudra juste attendre que cette unité-là soit à cheval. Donc là, on se repose un peu. Et prochaine étape, on remonte vers le nord, vers Claros. Colophon et tout. On va commencer à taper un peu nos adversaires, hein, parce que on va essayer de les calmer. Donc voilà, on est parti. Donc là, on va juste passer le tour parce qu'il n'y a plus rien à faire. Au prochain tour, on développera ceci. Je vais peut-être enchaîner tout de suite sur la bête de guerre pour avoir le cheval de Troie. Et tout le monde sera content. Voilà, il fait avoir du pub, mais bon. Ah, il a senti le vent arriver, il s'est dit, bah tiens, on va faire ça justement. Voilà, ça va être chiant comme position. Ça y est, ça c'est fait. Phyllis n'existe plus. On va essayer de s'occuper de ce général ici. Hop, on a eu des pertes, mais bon, globalement, j'espère que ça ira. Ouais, ils ont beaucoup d'unités de cal. Ils ont quelques lanciers de Dardanie, mais ça va aller globalement. Mais bon, là, il y aura un carnage, je l'annonce. Donc là, c'est la dernière VOD qu'on va tourner ce soir. Non, Hippo, faudra peut-être pas déconner, serait, hein. Non, non, toi, tu vas y passer, mon pote. Ah, il t'est arrivé un truc, mon... Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon vieux? Tu es blessé, bon, ça va. On va faire ça, comme ça, on aura 200 de bourrons plus par tour. Là c'est fait. On va raser et asservir. Hop, on va se soigner. Alors quoi que, je vais te mettre dans le bois. On sait jamais. On a déjà eu des surprises. On va raser ce coin là, comme ça tout le monde sera content. Donc là on va aller chercher Colophon puis Éphèse. Après on va remonter Érythrée, on va remonter comme ça vers Hippapépa et on va, ça va aller. La campagne de Penthesilée, la campagne où vous voyagez le plus, ça on peut le dire. Ah, les curettes nous ont redéclaré la guerre, Salamine aussi. Soif de conflit, plus de bois. Je vais partir sur... Ça, ça peut être utile. On va faire ça 11 tours. La sagesse de Kion qui a donné deux niveaux supplémentaires aux héros lorsqu'on les recrute. Et tueur vertueux, 25% de rage généré en bataille, ce qui est toujours utile. Bon allez, on va chercher Colophon. Voilà. Destroy this place. Colophon, c'est fini. Battle.
tout cas, il se passait un truc à Éphèse, les Amazones sont en train d'attaquer. Là, il va y avoir plein de villes qui vont tomber les unes après les autres. Ça va être l'effet domino. Pas de domino pizza. Hein. Oui, je suis inspiré un sort pour mes blagues. Hein. Ça, c'est le virus de Momon. Pardon, j'ai rien dit. Non, 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 mon or, je vais le garder. Lui, est-ce qu'il va recoloniser? Ah, il a recolonisé là. Bon, ok, pourquoi pas. Justement, il a fait une erreur. Je vais lui déclarer la guerre tout de suite, ça va régler le problème. Parfait. Hop. Bon, il reste Calicarnas ici, mais bon, globalement, je pense que ça va vite tomber. Éphèse, là, ça va être une question de temps. On va aller à Claumen. Après, on ira ici, ici, et on remonte. Ah non, faut pas remonter, faut repasser par l'autre passage. Rien dit, mais tu as dit que tu voulais raser la Grèce. J'ai pas le choix, là, à un moment. Si je veux faire la victoire Total War, je prends de la victoire, donc les deux victoires, tu vois. La deuxième, donc là j'ai fait la victoire homérique. Il faut que j'aille chercher 3. Et là, c'est ce que j'essaie de faire. Mais bon, il faut que je reste les 100 villes sur la route et que je batte mon antagoniste. Allez, moins 5 d'entretien. Bowman, tu reviens. Hop, tu assassines, c'est bien. En route pour Clazomène. Ah bah en plus ça recrute, ça a commencé à recruter, ah bah bravo. C'est good. Raise it and enslave their menfolk. I live for the fight. Don't hold back. Bon, hop, hop, ok. Ah non, hein. Ah non, non, non. Peut-être que là, on va bientôt faire des escarmouches contre les Troyens. Ça va être rigolo, ça. Oh, le vilain agent, là. Au moins, tu peux te débarrasser de lui, s'il te plaît. 72%. Merci, Momon. En route pour Érythrée, pour virer Sparte du coin. Je vais peut-être attendre un petit peu. Ça y est, Éphèse est aux mains des Amazones d'Hippolyte. Allez, alliance militaire avec nos sœurs de. Donc, avec Hippolyte, c'est cool. Let battle commence. Ah, Argos a repris du poil de la bête. Tu vas pas me dire qu'ils sont allés où? Où est allé Argos, tiens, pour avoir repris du poil là? Ah, ils sont allés en trace. Oh putain, ils vont être chiants, Argos.
Ah, il y a une qui se pointe déjà. Ah bah il tombe bien lui. Oh, t'inquiète pas, on veut pas leur montrer, on va leur montrer aucune pitié à ceux-là. Ok, bon, là, Érythrée, au normalement, prochain tour, c'est prenable. Et après, on se fera Kyzos dans la foulée gratos. Non, 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 toi, t'es pas encore fini avec toi. Parfait. Hop. Ça tatane là. Ah, on a perdu une unité de... Oh. 10 de points, 10 de portée de mouvement, c'est cool. Et là, on va partir sur de la cavalerie à la hache. Je peux pas aller chercher l'autre armée, je suppose. Non. Hop, on recrute une chargeuse Amazon. Non, pardon. Une cohorte à la hache. Ah là là. Kyzos va tomber. Grâce à l'incroyable agent Momonus qui a mis KO la garnison lui tout seul. Ah, Momon a été blessé par un agent de niveau 15. Ah, c'est fâcheux ça. La fureur de Penthesilée est incroyable. Bon. Oh, ça a bien progressé ici. Bon, bah, on va remonter vite vers le nord parce que là, nous allons faire le boulot. On est à 77 colonies. Hein. Je dis ça comme ça. Ah, là, on dirait qu'Argos est en train d'avoir un nouveau souffle. Et ça m'ennuie un peu, ça. Bon allez, va pour ça. Si mon joint contre ces trois là, ça m'arrangerait. Je sacrifie beaucoup de ressources, mais je pense que l'investissement est intéressant. Et là, ces terres colonisées, là, elles vont se faire plaisir. Deuxième ici, ouh, ça recolonise pas mal.
pense que je vais vite passer par la mer pour me rendre. Tiens, tu as vu la news de Twitch pour vérifier si un pseudo n'est pas un bot, c'est de demander son numéro de téléphone. Ah, c'est pas con ça. Argos change de plan. Ok, donc Argos là, il est en train de reprendre du poil de la bête, c'est sûrement en trace, bah ouais. Alors, Pente. The perfect Amazon warrior. Get a move on. Comme ça, on va pouvoir se mettre en route vers Simé. Moment, t'es toujours blessé pour le moment. You ask too much. Allez, 23 colonies. Hein. Ouf. Une, deux. En vrai, les 23, ça peut vite monter. Hein. Quand on regarde. On va y arriver petit à petit. Allez, sagesse de Chiron, c'est fait. Maintenant, on va chercher la technologie pour être tueur, des tueurs vertueux. Embrace your doom. Kill the lot. Voilà, bouge pas, toi. Ah, on a perdu deux, encore une cave. Oh. Flatten it. War Queen. Alors. Là, il y a une attaque. Là, il y a des grosses garnisons hein, ici. Attention. Hop, si m'a été recolonisé. Ils vont plus rien avoir, ça va être rigolo ça. Donc, bon, eux, ils m'intéressent pas les B aussi, de toute façon. 4000 de bois, ça se prend. Tueur vertueux, c'est bon. Maintenant, on va faire. Il ne reste plus beaucoup de tech, hein. Je vais faire la part de gloire, 20% de trésors dérobés après une bataille. Mon menu c'est de retour. Allons chercher ici. Succès total. Oh. Oh, mon a fait le job ici. Allez, deux unités à l'âge supplémentaires. Voilà. Ok, Pitane est tombé. Je pense qu'on va faire un tour à Temnos puis Pélopia. On va faire comme ça. Ça va le faire. Là, le truc qui serait vraiment chiant, c'est qu'il y a des armées d'Argos qui viennent coloniser par là. Bon, faut pas vous déranger, Argos, non plus, hein.
sont en train de se remettre bien dans le nord de la trace là. Et comme j'y suis déjà allé en trace, ça comptera pas pour les colonies quoi. Ça pourrait être un problème là si Argos prend trop de pouvoir en trace. Ouais, c'est pas la peine, ils sont que 9 unités, logiquement ça devrait aller avec ce qu'on a. La fin justifie les moyens. Le prochain tour, on va essayer de tomber ici. Comme ça, là, on va repousser Paris du secteur. Et on pourra ensuite aller chercher pour Rosilène. Allez. 80% des 80 colonies. Hein. Donc là, il nous reste encore ces deux objectifs là. Ils vont être liés l'un après l'autre. Mais par contre, la faction antagoniste, mon dieu. C'est pas gagné. Je pense qu'à la fin, je vais faire plusieurs hordes. Je vais faire full H, j'en aurais plus rien à foutre. Comme ça, on pourrait aller découper les troupes de grecs. Bon, 16 000 pour 2 000, vas-y. J'ai tellement de bronze. Non, 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 je te propose pas de traité de paix, toi t'es fou. J'ai trop de bronze que je sais plus quoi en foutre, c'est très connu. Hein. Donc là on va assiéger. Voilà. Moment, t'as fait qu'une bouchée de cet espion. Là, on va poursuivre tranquillou. Parce que là en plus on pèterait une grosse ville du bronze et tout. Enfin de la bouffe et du bois, ça serait pas mal quoi. Discretion guaranteed. People deserve the truth. Well, a truth. Oh, c'est une grosse garnison ici. Ils ont toutes deux garnisons, c'est ça? Ouais. Bon, on va assiéger quelques tours encore. Je pense que là, deux tours, ça sera bon, un siège en plus. Ah non. This is it. Non, on va encore attendre. Kill the lot. The help of the unseen threat is the hardest to combat.
Pelopa va tomber. Ou alors toi, toi tu vas regretter d'avoir fait ça là. Encore. Ah voilà. Decisions. Don't hold back. Allez, t'es quoi cette garnison? Prochaine étape, on se met en route pour Arcrassos. Ensuite, on va se faire Sidéné à Nice. Non, Arcrassos. Acreios, on va redescendre comme ça. Ça va être rigolo. Il y a une colonie qui est perdue. Oh, lui, il est en train d'attaquer les îles, ça m'arrange. Là, si Saos fait ce qu'il faut, je dis oui. Même le grand Hachi est une distraction. Eh bah, punaise. Ça va, il y en a qui ont les chevilles, mais laisse tomber. Hein. Encore une ville qui tombe. Donc la prochaine étape, on va se mettre en route pour Akiraos. On va redescendre à Sidaenis, puis à pour Ozilène. On se mettra en route ici, comme ça. Là, plein de villes vont tomber, là. C'est bien le tourisme, hein. Alors les 20% de trésors dérobés, ce sera utile. Des faveurs de plus 2 de faveurs pour tous les dieux par tour, ça se prend. Hop, ici, pas trop de résistance non plus. Seeking battle. I don't think so. Right away. Là, on va remonter comme ça. Alors logiquement, il faut passer comme ça ou pas, ouais. Comme ça, là, on se pose.
faudrait faire un parcours pour raser la carte, comme ça le tourisme va être cool. C'est vrai que ça pourrait être rigolo, ça. Ils ont pillé Sidani seulement. Justement, on va peut-être pouvoir la raser pour nous. Le rond infini, ok. Ça, ça peut être utile. Coût des hécatombes réduit. Toi, tu vas te mettre en route pour Porosilène. Ah, Argos a enfin perdu une colonie. Ils étaient à 14 là. Ils sont redescendus à 13. Je pense que je vais quand même dans le doute raser tout le nord de la Turquie, là où il y a Paris et quelques alliés, pour être sûr d'atteindre 100 colonies comme ça. Après, je vais me concentrer plus tranquillement sur Argos et Diomède. Bon, ça peut être utile. Voilà, c'est une garnison, c'est une cible facile. Encore une belle victoire. Et toi, tu vas aller voir Thèbes sous le placo. Son moment, c'est calme. Hein. Alors, next pour Osilène. Là, les colonies, là, ça devient trop facile, quoi. 3, ça va être le défi, par contre. Au niveau bouffe, je suis bien, donc c'est pas la peine. Ah bah comme d'habitude hein. Plus indécis que moi tu meurs. Oh vengeance, 10 de portée de campagne et 5% de chance de neutraliser les agents ennemis. Voilà, hop. Oulala, attention. Où ça calme là. Tes adversaires ont au moins une armée. Au moins, ouais. Là, il commence à avoir un peu de people, effectivement. Je vais me ramener ici avec toi, Momon. Parce que là, on va faire un peu de nettoyage. Embrace your doom.
Bon, on va la faire, on verra ce que ça donne. On perd 4 unités, bon, ça va. Obedient men are always useful. Death or glory. Destroy this place. Alors, qu'est-ce qui nous reste encore en vie? Hop, on va déjà partir sur ça. Alors, par contre, attends. Juste attendre, faire ça avec Athéna. On va attendre de recruter tout le monde. Allez, plus 15 colonies différentes et c'est gagné. Là, il va en avoir 1, 2, il va en avoir 4, 5 là, 7, 8. Il va y avoir plein de colonies qui vont nous revenir, là, ça va être beau. Tepsou Placo, ça va vite tomber. L'Irnesos, pareil. Par contre, celui qui a eu le nom de l'idée de la ville de Tepsou Placo, je sais pas ce qu'il a pensé, mais je préfère pas savoir. Perso. La prière en Athéna a été entendue, c'est cool. Par contre, Momon, faut que t'empêches que cette armée se recrute là-bas. Succès total, génial. Qui tente un truc là, ok. Pour une fois qu'on voit Paris devenir plus qui devient héritier de 3, ça fait plaisir quand même. Hein. Ah, ce foutu agent là, attends. Attends-toi. Alors, vous trois, hop, toi. En route pour Tepsou Placo. Let battle commence! Alors, d'autres amateurs ici? Là, ensuite, on va se mettre en route comme ça. Bon, en vrai, tu fais tomber comme ça, ouais. Tu fais ça, ça, chut. Tu redescends, chut. Il n'y a plus de grec. Nothing left to lose. Advance, sisters. Yes.
Ça va tomber là. Ouais. Ok, je vois que ça recrute plus d'une armée, on va empêcher ça. Allez, Pente, fais-moi tomber Dernesso, s'il te plaît. Massacre them. Ouais, le culte d'Athéna est en hausse ici, c'est bien. Allez, plus que 13. Alors ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, les 13, on va les avoir là, 11. Ouais, ça va être bon. Quand ça va être chiant cette poche en trace là de l'autre. Mais bon, globalement, la campagne est quasiment gagnée. Bon, faudra rester au siège de 3 par contre, ça c'est une autre paire de manches. Ça va être l'ultime défi. Si on réussit le siège de 3, la campagne est quasiment gagnée quoi. Ah bah tiens, y a un agent de Paris qui a réussi son coup. Ah, l'Irnesso s'est reconnuisé par Hippolyte. I'll deal with it. On va chercher Perisharaxis. Ça trace. Destroy this place. Les Méoniens n'existent plus, génial. I live for the fight. Maintenant on va se mettre en route pour Adras Treia. Les gens vont se soigner. Ensuite, on fera un petit tour comme ça et on descendra vers Zélé. Faut faire d'autres ordres, ouais c'est vrai, t'as raison. On va accélérer ça. Recrutement. Ah bah tiens, Sirène, t'es de retour. C'était celle qu'on a perdue tout à l'heure. On va essayer, alors on va rajouter des points. Coup d'initiation pour les rites déjà. Hop. Et sa horde, elle était niveau 4, hein. Bon bah maintenant on va recruter les unités qu'il nous faut, donc si elle a... quoi que si ça lâche, ça fait beaucoup quand même. 6 javelots déjà, c'est pas déconnant. Une chargeuse. Une deuxième horde, ça sera déjà bien. Là on va avoir besoin d'une deuxième horde, ça c'est certain, moi je suis d'accord. Ça va accélérer. Ah bah. Il y a un truc qui aurait été marrant quand t'es allié avec entre Amazon, c'est que tu puisses recruter des unités de sa province qu'elle peut former. Ça aurait été rigolo ça, puisque c'est la même culture.
Genre quelques archers remontés, là ça aurait bien pu comboter quoi. Alors je vais en rajouter une comme ça. Et 4 comme ça. Kill the sacrificial bull. Donc au prochain tour, on aura fait ça, plus de meilleures relations diplomatiques. Voilà, la difficulté de la faction en fait, c'est que si tu fais plusieurs hordes, ben tu peux pas te renforcer, c'est ça qui est dommage, mais bon, c'est voulu. Hein. Je pense qu'à mon avis, si elle se renforçait, ça serait trop craqué. Est-ce que c'est pas une volonté de nerf, je sais pas. Mais ça pourrait se tenir. Bah, il ne reste plus que ces deux techs là. Voilà. Bon, on va faire la horde au niveau max. Voilà, et toutes les initiées d'un coup. Là, j'allais chercher Adras Treya avec cette armée. L'armée de Pantissier. On va siéger, on va laisser le temps. Encore une garnison de cochons. Donc là, on va attendre un petit peu. Allez, tu me donnes 20 000 de bouffe, ça me plaît. Comme ça, au prochain tour, on va chercher Practicos ici. Mais bon, on sent que Paris, il est sur le déclin, puisqu'il fait des grosses... Ses armées commencent à être assez consistantes ici. Ah, ça a été rasé ici, dommage. La ligne... Posidon attaque Troy, le 3. Leave it to me. Bon. Fear us. Go all out. Voilà. Ah bah je perds trop jardinier dans le tas quand même. Hein. Prepare to be amazed. Alors toi, émissaire d'Hermès comme ça, hop. Donc là on continue, on peut rien faire de plus. On va laisser crever petit à petit. Momon va s'occuper de cet espion. Hop, moment qui en finit.
Alors toi, tu vas aller où? Escapiste n'a pas été refait, non. Alors je vais partir sur quoi? Non, ça suffit pas encore là, on va encore baisser un peu ça. Allez, les embuscades, c'est pas utile aussi. Ah bah là ça devient plus intéressant, comme ça là, hop. Parfait. On perd beaucoup, on perd les 168 hommes mais ça va. Hop, le culte de Zeus va monter en flèche. Là, je vais voir pour commencer peut-être à former des unités un peu plus performantes pour aller chercher Priap après. Par contre, Percote, il y a encore du monde, j'ai l'impression. Je vais juste me mettre là à portée. Là, on va pouvoir former quelques unités avancées pour la deuxième horde, ça va être très bien. Là, par contre, l'assaut contre Percot, ça va être chiant, mais bon, on va tomber du nord, ça devrait aller, j'espère. Alors, est-ce qu'on peut faire... Oh, on peut vite monter ça au niveau maximal. Bah, let's go, hein. Donc déjà, je vais faire tout ça. Hop. Là, on va avoir une armée assez puissante, je pense. Dernière étape, là, on aura les Fidares tout de suite. On va voir ce qu'ils vont faire l'autre armée. Et nous, on va les prendre Percote, comme ça, là, on va clôturer cette session ici. On va faire tomber les deux villes et je pense que ça devrait être bon. Bon allez, va pour un traité de paix, de toute façon t'es trop loin pour moi maintenant.
3 se rétablit. Ah, ça c'est embêtant. C'est vrai qu'on essaie de choper 3 sur la carte séisme pour faciliter les choses. Ouais, on va laisser mourir tranquillement. Alors, bon, pour moi, ça veut pas tomber, hein. Je pense que là, une fois que ces deux cités sont tombées, ça, ils vont commencer à avoir mal là. On est déjà à 90 villes en fait, à 92. Alors, j'ai eu une amélioration d'unité possible. Ah, je peux pas, il me faut la cavalerie là, ok. Donc là, on peut toujours pas. Et ici. Non, on va encore attendre deux tours, je pense, de chaque côté, ça devrait être bon. Et là, il ne restera plus que 8 villes à tomber, 8 prendre 8 nouvelles cités. Et là, après on se concentrera sur Diomède et ses pliés. On va casser 3 bientôt. Mais bon, faut espérer qu'on ait comment ça s'appelle? Un séisme à nouveau. On enverra l'armée de Penthesile les raser 3 et ce sera fait. Encore un tour ici. Et là, pareil. Ça, là. Ça va commencer à faire mal. Là. Ouais, normalement c'est le tour, c'est le bon. Bon là déjà, priable ça tombe. Ça va, pas trop de pertes. Je vais prendre la croissance, ça va être utile pour les futurs bâtiments. En plus, ça le prend un niveau, c'est cool. Niveau de bataille, de niveau de fatigue toujours frais, je prends. Là, on va faire pareil du côté de Percote, comme ça. Bon, ah, c'est pas mal tout ça. Alors toi, cavalerie à la hache. Chut. Là, je peux faire autre chose ou pas? Ouais. En vrai, je pense que pour l'armée de la deuxième, je vais peut-être garder un truc d'infanterie
Et je vais peut-être partir sur des Fidares là pour l'infanterie. Ça sera que des Hippomacoy à la fin. Bah pourquoi pas après tout. Comme ça on pourrait se mettre bien. Que des Hippomacoy, des javelinières. Et peut-être un groupe de Fidares, ça peut être pas mal. Hein. Ouais, on va faire ça donc. Là, je pose juste le tour pour faire ça et ce sera bon. Alors, est-ce qu'on n'irait pas chercher les deux dernières villes? Ouais, on va tenter d'aller chercher juste les villes qu'il nous faudrait. Là, on a fait un beau massacre. Il faudra qu'on remonte aussi sur Argos, là, le détruire complètement pour pas qu'il nous refasse une armée. Mais bon, il faudra améliorer l'armurier aussi de la deuxième horde, là. On a vu que l'armurier nous a bien aidé quand même. Hein. Bon, vas-y, va pour la bouffe. Alors... Argos continue de gonfler, mais bon, ça, on suppose que c'est en trace. Ouais, comme d'hab. Toujours aussi délaissé la Crète, hein. Oh, il y a l'armée là de 3. We can take them. Destroy this place. War is my life. Voilà, on a toute notre armée de cavalerie refaite avec Panté. On va juste aller prendre Abydos pour calmer le tout. Déjà, on va partir sur toutes les foules escarmoucheuses. Voilà. Ou de la mobilité. Je vois que lui il est recolonisé derrière, bon tant pis. Ok, je vois. Donc on se retrouve avec un nouveau copain sur le dos, d'accord. Ah, on a perdu une... D'accord, ok. Raise the place. Step aside, men. Ouais, non, c'est la garnison d'élite, on va faire gaffe quand même. Amazon's forever. Off we go. I'll make it happen. Hop, on va faire une cavalière. Là, je vais partir sur une cavalière aussi pour un peu plus de mobilité. Feel my pain. Kill the lot. Hop. Parfait. Flatten it. I live for the fight.
Let's go. Hop. Allez, dernier tour. Là, je pars sur l'infanterie à l'abri. C'est parti. Non, non, non. Toi, Jacques, je te donnerai même pas un sou, tu vois. Il a réussi son action, lui. D'ailleurs, mon maintenant que t'es où, toi, en fait, c'est vrai, ça. Bon, déjà, hop, on va améliorer toutes les unités. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça, ça va être une armée d'élite. Hein. Oh. Ça va être une partie de l'armée d'élite de 3, ça. Oh, beaucoup de champions de 3, attention. Embrace your doom. Dans le doute, on va se mettre derrière, on sait jamais. Ouh, je t'ai oublié, Momon. Oula. Est-ce que t'as, tu peux faire le boulot? Parfait, cet espion-là, il est pas prêt de revenir. Allez, bon. On va s'arrêter là, YouTube. On a quand même bien avancé. On se rapproche tranquillement de la fin de campagne. Donc là, ce qu'il faudrait juste faire, c'est aller chercher les possesseurs, aller chercher les dernières villes, dont 3 et tout. Ensuite, on va aller chercher notre ancien, notre antagoniste, donc Diomède, qui a bien recolonisé. Il a encore quelques villes par-ci, par-là, comme vous pouvez voir. Il y a encore ces deux villes à l'autre bout de la Grèce. Donc on a encore du chemin à faire. Mais bon, c'est plutôt en bonne voie pour le moment. Allez, on se dit à la prochaine YouTube. Des bisous, ciao, ciao.